Donc bah, bonjour à toutes et à tous. Hein. Donc nous sommes en direct de Fenay pour le National Mixte de Dijon. Donc la Pétanque Movie est très heureux de vous accueillir aujourd'hui toute la journée. Nous allons essayer de vous retransmettre un maximum de parties suivant la météo et le direct. Donc là nous assistons à 8e de finale qui oppose l'équipe Frachebois Yannick et Frachebois Chantal de la Pétanque de Morteau dans le Doubs, associé à Chevalier Jonathan et Perrin Mallory, non homogène du 71. Donc on prend la partie en cours à la deuxième main et l'équipe Perrin Chevalier mène 1-0. Donc là sur la main, Jonathan Chevalier a encore deux boules, Yannick Frachebois une boule et il tire au point. Très beau tir de Jonathan. Donc on peut apercevoir quand même de belles équipes de qualifiés ce matin. Nous avons la famille de Mute de Fosse, très souvent présent. Nous avons la présence aussi de la Atra, Randria Manantani et sa femme Jennifer, malgache, hein, vainqueur des Masters il y a quelques années. Plus loin, nous avons Jérôme Front de Paris avec Marie-Jeanne Klokowski, très très belle équipe qui sont opposées à Laura Bolo et Alexandre Ferretti. Nous avons aussi Clément Duvernay, quart de finaliste du championnat de France triplette senior cette année à Lanester avec son père Didier et Romain Grand. Je crois que c'est un duel de Saône-et-Loire, ce qui joue contre Sébastien Vallot et Élodie Beaubernard-Michel, la femme de Frédéric. Donc, un point de plus pour l'équipe Chevalier qui mène désormais 2-0. Le bouchon de la troisième main est aux environs de 8 mètres. Très beau point de John. T'as un petit coco. Bien, c'est cadré pour Yannick. Yannick Frachebois, un très très bon joueur du département du Doubs. Hein. Il doit avoir à peu près 30 ou 40 championnats de France à son actif, donc ça nous promet une belle partie. Mallory Perrin qui est championne de Saône-et-Loire doublette mixte cette année avec Emmanuel Lucien. C'est gagné. En espérant que la météo soit pas trop capricieuse avec nous aujourd'hui, qu'on puisse vous montrer un maximum de parties. J'essaierai si je peux au fur et à mesure de vous donner des résultats des parties à côté, mais c'est pas évident du tout à voir les scores. C'est un petit peu court je pense pour Chantal. Nous avons quand même quelques équipes côte-doriennes de qualifier, ça fait plaisir. Hein. Nous avons Maria Rigaud avec Gilles Poifol. Nous avons Kelly Fuchèze avec Arnaud Drocourt. Laura Bolo, même si elle est à Bourbon, elle reste quand même dijonnaise avec Alexandre Ferretti. Jennifer Sivioc qui est licenciée aussi dans le département 21 avec son mari d'Atra. C'est poussé de la part de Yannick. Alors exceptionnellement cette année, le National de Dijon mixte a eu lieu ici à Fenay. Hein. Le boulodrome de Dijon est en rénovation. On espère le retrouver rapidement. Donc le comité de Côte d'Or remercie encore le club et la ville de Fenay pour les installations et la beauté des terrains et du site. C'est vraiment magnifique. Pour ceux qui n'étaient jamais venus, je pense qu'ils ne sont pas déçus. Elle n'est pas très bien tombée celle-là. Je crois qu'il a dû en laisser deux. Thank you.
C'est super bien joué. Ça gagne, c'est en contre. Yannick va tirer quand même, c'est dangereux. Faut pas avoir de contre, hein, sinon ça peut faire une grosse peine pour l'équipe de Saône-et-Loire. Ah, c'est tapé, mais le bouchon a démarré dans la boule de Jonathan derrière. Alors que dans la partie d'à côté, c'est l'équipe de Gilles Poifol et Maria Rigaud qui mène 3 à 1 contre l'équipe de Dans Paris de Myriam Verset. Donc Chantal va protéger sa dernière. C'est bien joué encore, c'est perdu mais c'est bien joué. Ah non, elle en a encore une, désolé. Le live, ça marche bien. Pas de chauffage. Oh, c'est bien joué deux fois, mais c'est perdu. Je pense que si Malory Perrin a le bonheur d'en remettre un, c'est déjà beau. Hein. Faut surtout pas prendre le but. Parce que les deux noirs sont à l'équipe Frasbois derrière. C'est bien envoyé, mais c'est un peu vite. Heureusement pour elle qu'elle prend pas le bouchon. C'est bien joué. Et ça rentre pas. Donc un point supplémentaire pour l'équipe Chevalier qui mène 3 à 0. Alors que là-bas, si je vois bien, l'équipe de la Hatra mène 5 à 0 contre Ali Lardiklik d'Autun. Mais là, je vois 2 points par terre et encore 3 boules en main pour Ali. Donc ça peut recoller au score. Donc je vous rappelle que nous allons essayer au maximum de vous montrer le plus de parties aujourd'hui. Donc nous serons présents dès maintenant jusqu'aux phases finales avec aussi le concours B hein, qui était très relevé hier après-midi. En même temps il y avait vraiment des belles équipes au national. Alors que John Chevalier a encore embouchonné et Yannick Frasbois vient de manquer sa première. On joue pas trop long, on est aux alentours des 7m58m. C'est cadré. Alors que là-bas, si j'ai bien vu sur le terrain d'honneur tout au bout, il me semble que Ali Lardiklik a dû en mettre 2, ce qui doit porter le score à 5-4 pour la Hatra. Présence de monsieur le président du comité. On fera une interview dans le matin quand il aura un petit peu de temps. Nous avons aussi le délégué officiel de la Fédération Française de Pétanque qui est à mes côtés. Et c'est encore bien pointé de la part de Jonathan, il se régale au point. Pourtant il n'a pas l'habitude de pointer, c'est plus un bombardier qu'un pointeur, mais vu le niveau de tir de Mallory, je comprends qu'il pointe, hein, et ce ne serait pas le seul à pointer devant elle. Donc c'est ça, confirmation d'Ali Lardiklik, 4 points sur la main, donc la Hatra et Jennifer mènent 5 à 4.
Ça va être court de la part de Chantal, ça s'est vu tout de suite à la main. Mieux déjà. Je pense pas que c'est gagné, mais ça sert bien le jeu. On décide de tirer quand même. Et c'est carreau, super bien tiré à la sautée de la part de Yannick Frachebois. C'était un peu osé quand même, fallait pas être court, mais il a un tir qui est très très en cloche, ça lui pose pas de problème apparemment. Donc là, en contre-attaque du côté des joueurs de Saône-et-Loire. Je vous rappelle, ils sont 4 boules à 1. Je pense qu'elle va tirer la noire à droite. C'est cadré encore, c'est carreau. Elle s'est peut-être donné le tir au point. Ouais, je pense. C'est tapé, ça suffit. Donc deux boules encore dans les mains de John Chevalier et de Mallory Perrin et une boule pour Chantal Frachebois. C'est rentré par deux peut-être. Alors que sur le dernier terrain du carré d'honneur, j'aperçois Lillard des clics qui ont encore une belle main en main, 3 boules à 1 et tirs au point. C'est cadré. Alors je vais essayer de vous donner le maximum de score, mais c'est vraiment pas facile. Le carré d'honneur est assez impressionnant ici à Fenay. Et les scoreurs sont de notre côté, donc j'ai pas les scoreurs en face, donc ce n'est pas évident. Oh, tombé 10 devant Mallory, c'est manqué. Allez, terrain de Fenay, il pardonne pas, de toute façon c'est vraiment beau à jouer, hein. C'est dur aussi bien au point qu'au tir. Là qu'il a plu un petit peu, j'ai envie de vous dire qu'ils sont un petit peu plus faciles qu'à l'habitude, mais... Donc c'est John Chevalier qui va essayer de faire marquer son équipe, qui va tirer la première boule de la partie pour sa part. Ou la deuxième peut-être. Oh, c'est tapé, il a eu chaud, il a failli taper la sienne derrière, ça aurait pu leur coûter cher. Donc c'est un nouveau point encore pour l'équipe Perrin-Chevalier qui mène désormais 4 à 0 face à la famille Frachebois. Les scores au moins des parties là-bas, vite fait, si tu prends un papier à stylo, tu regardes, que je puisse donner les scores, le Ferretti, toujours du Vernet, tout ça, s'il te plaît, Pat. On a allongé un petit peu de la part de John Chevalier, on est pas loin des 9m20. C'est compliqué quand tu es tout seul, d'habitude au moins de temps en temps il parle un peu, je peux interviewer des gens, mais là le micro il est cassé, je suis tout seul, donc c'est pas facile quoi. Voilà, donc beau point encore de John.
Ça fait pas tirer, mais croyez-moi qu'elle est déjà là, sa boule. Alors, j'ai mon ami Patrick Chambreau qui est parti relever le score des autres parties. Je vais essayer de vous donner le maximum de résultats en direct. Parce qu'il y a vraiment des belles parties à suivre aujourd'hui. Je pense que toute la journée, on devrait se régaler. Donc Chantal qui reste un petit peu courte à sa première, on décide de pointer encore, hein. Je vous ai dit ça a allongé un peu, il y a un bon 9m20, la boule à Jonathan est environ 35-40 devant. C'est rentré, ça gagne. Bien joué en direction de sa boule. Je pense que Mallory va aller tirer. Impressionnant, c'est encore un carreau. Mais je crois que depuis le début, elle a fait casquette à la première main et elle a manqué la main d'avant. Sinon, elle doit être à 7 ou 8 sur 10. Alors, je devrais pouvoir vous donner les scores des parties en direct. Ok, donc nous avons l'équipe de Elodie, Michel Beaubernard et Sébastien Vallot qui sont menés 6-0 par Clément Duvernay et Nadège Rodriguez. Nous avons l'équipe de Lionel Ribérol qui mène déjà 9-0. Alexandre Ferretti et Laura Bolo mènent 4-1 face à Jérôme Front et Marie-Jeanne Tlokowski. Et l'équipe de Kelly Fuchez et Arnaud Drocourt sont à égalité 2-2 contre une jeune équipe de Nolet, Arthur Pelletier et Laura Kovar. Donc là, c'est manqué de la part de Yannick qui a tiré sur le carreau de Mallory, c'est manqué. Et pour les autres parties, l'équipe de Gilles Poifol mène 3-2 contre l'équipe de Myriam Versed dans Paris. Et là-bas, je crois qu'Ali Lardiklik est en train de faire le plein. Donc je ne sais pas combien de points ils ont marqué. Donc 7-4 pour l'équipe d'Ali Lardiklik face à Latra Randria Manantani. Donc c'est très bien joué de la part de Yannick qui a gagné le point. Ils sont en dessous sur la main. Oh là là, c'est encore un carreau, c'est... ouais. On voit Yannick Frachebois qui... commence à tourner de la tête. Impressionnant. Trois points par terre et encore trois boules à une, c'est la dernière qui arrive. Oh, c'est même gagné, c'est super bien joué de la part de Yannick. Et là, si Mallory a le bonheur de bien tirer celle-là, ils vont enfoncer le clou. Pourtant, il n'y a pas trop de déchets des deux côtés. Hein. La différence, c'est que Mallory fait beaucoup de carreaux et Jonathan pointe un tout petit peu mieux que Chantal. Ah, mais il suffisait que je dise ça pour qu'elle manque. Donc, c'est John qui a deux boules pour tirer à 3. Alors, je vous rappelle, elle n'est pas facile à tirer. Il y a 9m50, elle est à la sauter. Mais bon, il est capable. Hein. Oh, ben, si, si, mais aussi. Super bien tiré de la part de John. Je pense qu'il y en a 4 par terre. Peut-être pas. 3 sur. Non, elle doit pas y être. C'est impressionnant, il n'y a pas de déchets. J'ai au minimum 5 boules par main à 9h du matin, c'est propre. Thank you.
Et bah ça rentre, il a essayé de jouer la sienne devant, je pense qu'il n'y en a que 4. Je vais demander confirmation. Mallory 4. Ouais, c'est ça. Donc 8 à 0 pour l'équipe de Mallory Perrin et John Chevalier. Ouais, comme dit mon collègue à côté, c'est impressionnant. Et on est reparti encore sur une distance correcte, on est pas loin des 8m50 je pense. Alors faut savoir qu'on a fait rajouter un peu de cailloux dans les carrés d'honneur et un peu sur tout le site à Fenay. Dans la semaine, faut savoir qu'ils sont encore plus durs que ça d'habitude les terrains. Mais bon, je pense que le site reste vraiment très agréable pour tout le monde. Tous les gens étaient contents et merci à tous les bénévoles, que ce soit de Fenay, du comité, de Saint-Apollinaire, surtout de Vénarès et de tous les autres clubs, c'est impressionnant, donc merci à eux. Alors, mon collègue me dit que Nadège Rodriguez et Clément Duvernay mènent déjà 12 à 0 face à Sébastien Valo et Elodie Michel Beaubernard. Ah. J'aperçois un de mes meilleurs amis de longue date, monsieur Raymond Dini, ancien président de Fenay. Donc là Chantal en a pas profité parce que pour une fois John s'était un petit peu écarté, on va dire à 60 un peu sur le côté, et Chantal est restée courte. Qui envoie sa deuxième et c'est parti. Dommage, elle a pas su profiter un peu de l'écart de la boule à John. Alors qu'à côté c'est toujours aussi serré entre Poifol et Versailles puisque le score est toujours de 3 à 2. On voit des parties qui avancent vraiment vite, hein, 12-0, 8-0, ça va vraiment vite. 5-2 pour Drocco. Donc, Kelly Fuchez et Arnaud Drocourt, la pétanque mirebelloise du président John Milanetto, mènent 5 à 2 face à Laura Covard et Arthur Pelletier de Nolet, Nice Saint-Georges, NH21. Alors que là-bas, on assiste aussi à une belle partie entre Ferretti, Alexandre et Laura Bolo qui jouent contre Jérôme Front et Marie-Jeanne Klokowski. Jérôme Front, très très bon joueur de la région parisienne, qui a remporté vendredi le challenge Jean-Charles. Et donc là, c'est repris par Jonathan Chevalier. Ils sont encore 4 boules à 3, le point par terre. Je pense que là, ils vont faire le plein. Ils ont dû en faire 3, je pense, l'équipe. Je vais demander confirmation. Il me semble que l'équipe Maria Rigaud, Gilles Poifol ont dû faire 3 points sur 7 mains et doivent mener 6 à 2. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on a décidé de pointer pour Yannick, c'est perdu. Alors que David Defosse et Véronique Demuth mènent 7 à 2. Alors je suis désolé mais je vois pas le nom des adversaires et je ne les connais pas. Mais ils mènent 7 à 2. Je pense qu'ils ont encore marqué. 5-7, le 3-5. C'est fait. Alors, on décide de tirer pour Yannick, je pense qu'on va essayer de casser la gagne, alors c'est poussé. Alors, il y a deux solutions pour John et Mallory, si on pointe on essaie de faire jouer la dernière, ou alors on envoie Mallory au tir tout de suite à la boule devant. Non, je crois qu'on va essayer de pointer et de faire jouer la dernière, même au, par malheur s'il le perd, on peut toujours prendre la solution de tirer derrière. Hein. Encore 3 boules d'avance. Après John pointe super bien aussi, donc pose pas trop de problèmes. Alors ça a pas gagné, mais ça a coupé le deuxième, donc on tire au point, ou peut-être à deux.
C'est un gros coup d'accélérateur hein, pour Véronique Demuth et David Defosse qui viennent de mettre 3 points supplémentaires et qui mènent désormais 10 à 2. C'est manqué de la part de Mallory. C'est manqué deux fois. Ah, c'est tapé. On retire la dernière. Ça veut dire, à mon avis, je pense qu'elle tire à deux. Donc, Yannick Frageboix a la possibilité de marquer sur cette main s'il rentre bien au point. De toute façon, c'est pas compliqué. Si oui, gagne le point, ou à mon avis, dans les deux, parce que les deux points sont à égale distance à peu près. Ah non, bah, il tire au point. Bah, c'est manqué. Donc, je pense que ça fait un point supplémentaire. Sinon, il aurait pas tiré. On va demander confirmation à John, mais je pense que c'est ça. Continue à jouer aux alentours des 8 mètres, 8 mètres 50. C'est dommage que Chantal n'ait pas fait bon entrée. On prend à peu près à 80 sur le côté. C'est gagné. La paire de John, très bien pointé. Chantal Frageboix qui pointe. Je sais, j'ai vu. Donc Chantal qui attendait Yannick Frageboix qui s'est absenté 2 minutes pour aller aux toilettes. C'est la même que la première. Ça envoyait un petit peu court et trop bas, je pense. Thank you.
Il prend celui de Kelly en même temps, là. On décide de tirer ses pas droits de la part de Jannick Frashbois. Alors que sur le terrain A dans le carré d'honneur, l'équipe Laura Bolo de Bourbon-Lancy associée à Alexandre Ferretti du Fenêtre Pétanque mène désormais 10 à 6 face à Marie-Jeanne Klokowski et Jérôme Front. Alors la mène s'engage pas très bien là pour la famille Frashbois, c'est encore perdu pour Chantal et c'est un peu loin derrière. Ça sent le tir au bouchon je pense pour Yannick, même s'il en a qu'une, je pense que de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Non, Yannick apparemment qui décide de pointer. C'est pas mal joué de la part de Yannick, mais ça gagne pas. Elle a joué sa dernière et encore 5 boules en main, je vous rappelle, pour l'équipe de John Chevalier, Mallory Perrin. Et bien c'est court encore, 5 boules en main pour l'équipe à John et Mallory pour mettre le 13ème. Donc à la fin de cette partie, on vous proposera un quart de finale, je pense, d'ici une petite demi-heure. Je pense qu'ils vont lancer les quarts de finale du A et du B en même temps. On a des parties qui se jouent encore. Donc c'est John Chevalier qui joue pour mettre le 13ème, c'est parti. Pour l'instant, qualification en quart de l'équipe d'Hivernais, l'équipe Ribérol et l'équipe de Fosse. Et toutes les autres parties de 8ème se jouent encore. Je sais pas, je pense que c'est passé encore pour John. Attention de ne pas gâcher cette opportunité là parce que ils ont eu chaud 2-3 mains. Là la famille Frashbois est quand même bien revenue, 8 à 11, je vous rappelle au score, donc ce serait quand même dommage de ne pas terminer avec 5 boules de gagne. Il y a à peu près 35-40 cm pour rajouter. Et Mallory a encore 3 boules dans les mains. Voilà, c'est fait. Et voilà, qualification à l'instant de l'équipe de John Chevalier, Mallory Perrin. On voit Yannick Frashbois tout surpris d'avoir perdu. Peut-être qu'il a oublié un point. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure. On vous tiendra au courant des résultats et on vous filmera un quart de finale. Alors il est à peu près 10h15, je pense aux alentours de 11h moins le quart. Donc je vous dis à tout à l'heure et soyez fidèles.